Il nous faut apprendre à taire là nos rancœurs. Et de surcroît, nos sources d'information, au moindre quoi qu'il puisse surgir entre nous. Dans ce combat salutaire, parfois solitaire, mais très souvent solidaire, pour des gens dignes de foi. Mais ma foi, dans ce combat que nous menons, demeure aussi intacte que le tic-tac d'une montre suisse. Malgré certains qui en ont fait là leur affaire et n'en ont rien à faire de ce que cela peut nous coûter, de préjudiciable bien sûr, dans ce combat. D'où l'intrusion de ces métronomes par l'exclusion qui nous porte tant atteinte par leur trahison et de ce chantage permanent qu'ils exercent autant sur les uns que sur les autres, sont là autant de menaces qui discréditent la cause dans son accomplissement de cette œuvre charitable. Ne serons pas surtout des faux jetons portés par leurs propres intérêts purement égoïstes au point même de tout, mais de tout la saboter. Que ceux qui dénoncent les inepties d'un régime se mettent là mais à se tirer une balle au pied à la moindre ouverture qui se présente, question de ne pas voir l'autre évoluer, pour ne pas dire là émerger plus vite qu'il n'en faut. Et là, une véritable problématique qu'il nous faudrait résoudre au plus vite si nous tenons absolument pas à tomber dans les méandres de l'histoire et du côté mais le plus obscur qui soit. Oui, à ce stade du combat, le combat devient un véritable mais parcours de combattants dont nos adversaires le plus acharnés ne peuvent que mais se frotter les mains. Et ce mal ne vient pas souvent de là où l'on croit, mais plutôt de ceux avec qui nous combattons. Alors j'en viens là, excusez-moi de me demander, mais qui sommes-nous véritablement et réellement pour saboter avec autant d'outrecuidance ce combat? Qui nous est si cher? Méfions-nous dans ce cas de ceux-là qui en font leur affaire au point de devenir une affaire personnelle et n'en ont rien à faire des autres et encore moins de ce qu'ils peuvent penser, voire des conséquences. C'est là que repose et demeure notre plus grand danger. Ne faisons pas comme Simon Boutiste, qui autrefois faisait porter le chapeau au petit papa maréchal, l'accusait de tous les maux et de tous les crimes. Aujourd'hui, 18 ans après, continue à rouler carrosse avec ceux que nous dénoncions, sans autant tirer le son de leurs échecs du passé. Dans ce cas, autant mieux laisser reposer le petit papa maréchal en paix. Car nous connaissons aujourd'hui les véritables ennemis du Congo. Ceux qui n'ont jamais su faire bande à part, toujours aussi prêt à la compromission qu'à la conspiration, comme nous sommes tombés dessus, ces fossoyeurs d'autres tombes que nous dénoncions. Dans ce combat, il sera intéressant que chacun puisse mettre de côté
son ego afin de servir au mieux cette cause qui nous préoccupe tant et qui n'est autre que ce corps malade qu'est devenue la République démocratique du Congo. D'où l'avènement de l'Isanga et de tant d'autres dans cette arène des gladiateurs. Avec une telle approche philosophique qui devrait là, mais apaiser les passions et tenir en garde ceux qui ont pour habitude de voir le mal partout, ceux qui ont pour habitude de mettre mais tout le monde dans le même sac. Nous nous sommes engagés pour le Congo. Nous nous sommes engagés pour les Congolais, de qui nous nous battons, et chacun avec ses moyens, là où il excelle. Telle est notre approche philosophique du combat, ce que ne semblent avoir compris certains à ce jour. Nous n'allons pas jeter, mais le bébé avec l'eau du bain. Si nous considérons le bébé comme étant le peuple congolais, nous n'avons que pour chien de garde notre approche philosophique de la société congolaise que nous souhaitons avoir. Donc voir émerger dans un mieux mais vivre ensemble. Ne nous tirons pas dessus, convergeons plutôt ensemble dans la même direction, dans un but et pour le but final. La vision doit être partagée tant qu'elle fédère et nous n'en sortirons que ragaillardis en tant que bienfaiteurs. Tant que nous ne lui jetterons du discrédit. Dans l'Isanga, nous avons fait de la communication une arme maîtresse pour une bien meilleure diffusion de l'information qui tient à notre philosophie. Dans ce combat et dans ce don de partage, nous nous reconnaissons et respectons l'apport de chacun, le combat des uns et des autres, d'où nous respectons le parcours d'où qu'il soit, à Kinshasa, voire ailleurs, tant que l'objectif demeure toujours aussi clair. Ne nous dispersons pas pour si peu. La division n'a jamais été notre combat. L'unité sera toujours notre salut. Le chemin tant parcouru est plus important que ce qui nous reste. Oui, Congolais, dans ma chair, visionnaire dans mon âme qui ne désespère de voir un jour le renouveau d'un Congo meilleur qui ne s'embrouille pour si peu, dont nous ne sommes que des bâtisseurs et non des aventuriers, mais des bâtisseurs d'un genre nouveau et pris par la passion de la paix et de la liberté, dont l'amour fait mouche. À bon entendeur, salut. Profitez bien de vos vacances.
et salut. Une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, profitez très bien de vos vacances. Je vous souhaite une bonne année, joyeux Noël. Je dis au revispeacher.com. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi. Joyeux Noël, bonne année, bye bye. Mais une foi sans loi, pour une foi sans toi, mais une foi qui cherche à savoir. Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien pour vous reposer et joyeux Noël. De la part de Michaela et de Papa Christian. Site orivispeacher.com. À bon entendeur. Seul. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent. Comme une voix qu'emporte le vent. Au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent. Comme une voix qu'emporte le vent. Au nom de l'amour qui nous engage, bien malgré tout ce